La Tunisie abritera du 4 au 9 septembre prochain la sixième édition du championnat d'Afrique de nations de pétanque. Le Tchad, vice-champion de titre de précision lors de la quatrième édition de 2013 au Maroc, y sera présent. Les boulistes tchadiens qui entendent plutôt donner le meilleur d'eux au cours de cette compétition à double jeu. La qualification à la Coupe du Monde 2019 et aux Jeux africains de 2018 en Algérie se prépare activement depuis 2 jours. Quatre nouveaux tirs au fil. Quart finaliste des deux dernières éditions de la Coupe du Monde, notamment celle de 2013 de Marseille en France et de 2016 à Antananarivo en terre malgache, les Sao version pétanque se prépare activement pour la phase finale de la sixième édition du championnat d'Afrique de pétanque prévue du 4 au 9 septembre prochain à Tunis. En terre tunisienne, les boulistes tchadiens entendent donner le meilleur d'eux afin d'arracher une place qualificative à une troisième participation consécutive en phase finale de la Coupe du Monde, celle prévue en janvier 2019 au Canada. Pour parvenir à ce résultat qui permettra au Tchad de se qualifier non seulement à la prochaine Coupe du Monde, mais aussi aux prochains Jeux africains de décembre 2018 en Algérie, le staff technique a revu sa stratégie de travail. Chaque année, on vient avec un pointeur et 2 tireurs. Et nous, on a constaté que c'est une compétition de 4 joueurs et les autres, ils pointent 1 fois et ils tirent 5 fois. Alors que nous, peut-être qu'on pointe 3 fois et on tire 3 fois. Et cela nous a un peu coûté. Vice-champion d'Afrique des Nations dans les tirs de précision en 2013 à Rabat, au Maroc, les Sao qui s'entraînent quotidiennement au stade municipal de Paris-Congo ont besoin du soutien du public sportif tchadien avant leur départ à Tunis, prévu pour le samedi prochain. Mesdames et Messieurs, ainsi donc, on se referme à cette édition. Merci pour votre fidélité. Toute l'équipe rédactionnelle et technique qui m'accompagne vous souhaite une très bonne fête de Tabaski.